Camilla Parker Bowles a lancé un message très subtil à Meghan Markle et le prince Harry. Camilla Parker Bowles est-elle prête à faire un pas en avant vers Meghan Markle et le prince Harry ? En effet, la reine a envoyé un message subtil au couple. Elle portait une tenue bien particulière. Camilla Parker Bowles a-t-elle envoyé un message discret à Meghan Markle ? En effet, la reine consort a choisi une tenue particulière lors de la seconde journée de course de chevaux à Royal Ascot. Elle arborait une robe manteau rose pâle d'Anna Valentine. Un choix qui est loin d'être anodin. En effet, c'était la même tenue qu'elle portait au mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Il est apparu que la reine portait le même collier de perles à trois rangs avec une pierre centrale rose pour Royal Ascot comme elle l'avait fait en 2018 pour le mariage. L'épouse de Charles III serait-elle prête à se réconcilier avec les Sussex ? Il faut dire que la famille royale britannique passe de nombreux messages avec leur tenue. En effet, le rédacteur en chef britannique du Vogue, Edward Annenfull, a un jour demandé à Charles III s'il avait envisagé de porter quelque chose de nouveau, j'y ai pensé. Mais dans le cas de cette jaquette en particulier, tant que je peux continuer en m'y mettant, je ne le porte que quelques fois par an, en été, donc évidemment vous voulez continuer ce genre de choses. Mais si je ne peux pas m'y intégrer, alors je dois juste faire quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas à quel point ils peuvent être radicalement différents à mon âge. Camilla Parker Bowles est-elle prête à faire un pas vers les Sussex ? La présence du couple royal à la course de chevaux entre dans la lignée de l'amour de la reine Elisabeth II pour les animaux. Elle possédait de nombreux chevaux de course, dont 24 ont gagné à Ascot. Certaines photos des chevaux primés de feu la reine seront exposées lors de l'événement, et le roi Charles et la reine Camilla ont écrit qu'ils étaient sûrs que cette exposition suscitera de nombreux souvenirs heureux. De quoi relancer une possible réconciliation avec les Sussex. Affaire à suivre.